Un astronome canadien qui a découvert un astéroïde nouveau, il l'a appelé Lucy. Il y a un astronome américain qui a trouvé un astéroïde nouveau qui tourne entre Mars et Jupiter, quand même, qu'il a appelé Donald Johnson. Et puis il y a un autre astronome français, celui-là, qui a trouvé encore un autre astéroïde nouveau et qui l'a appelé Copas. Autrement dit, il y a trois cailloux dans le ciel qui portent le nom de Lucie et puis les noms de Johnson et de moi-même, et qui tournent autour, encore une fois, j'allais dire de la Terre, mais mieux que ça, bien sûr, du Soleil, et qui tournent entre les orbites de Mars et Jupiter. Regardez le ciel ce soir, je suis sûr que ce sont les astéroïdes qui brillent le plus, pour ça, hein. Donc, vous devriez les voir. Et tout ceci fait que la NASA, figurez-vous, a lancé au mois d'octobre dernier, c'est tout récent, au mois d'octobre dernier, la NASA a envoyé une sonde, c'était le 16 octobre, a envoyé une sonde qui s'appelle Lucy, le lancement a été parfaitement réussi, et cette sonde doit aller faire des portraits de nos astéroïdes. Elle est partie pour faire des portraits de nos astéroïdes, mais comme elle doit revenir en 2033, il y a des chances que certains d'entre vous voient les portraits, mais moi peut-être pas. Enfin, ouais. Enfin, je vais essayer de tenir jusqu'à 2033, mais j'ai quand même assez peu de chance. Donc voilà quelques petites choses que je voulais vous raconter. Tout à fait heureux d'être ici, tout à fait heureux de partager cette journée. Et tout à fait heureux de vous rencontrer tous, y compris bien sûr les Éthiopiens d'abord, Exil Estelle à nouveau, et puis ma collègue et amie Raymonde, bien sûr, avec qui nous avons aussi baroudé à travers cette grande Afrique des savanes et des steppes, des déserts. Merci. Bon, si vous voulez bien, je voulais rajouter quelques mots concernant toujours les raisons pour lesquelles il est bon de faire un musée sur l'origine de l'humanité en Éthiopie. Parce que l'homme, c'est pas seulement des squelettes et des ossements, sont aussi les objets qu'il fabrique. Je ne suis pas moi-même préhistorienne, mais j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de préhistoriens en Afrique. C'est effectivement dans un site préhistorique célèbre du plateau de l'Éthiopie où Maurice Taïeb et moi-même avons commencé en 1966 nos deux thèses. C'est de cette époque que nous nous connaissons et nous avons, disons, travaillé dans le même laboratoire pendant toute notre carrière. Donc, si je reprends ici, voilà, ici, c'est ça. Donc, oui, mais là, on voit que la moitié de. Non, il faut voir la diapositive en entier, là. Elle est tronquée. D'accord. Je disais que en 1966, lorsque nous sommes allés en Éthiopie, c'était un amateur qui avait trouvé le premier biface qui existait en Éthiopie. Il y avait aucun site préhistorique découvert à cette époque. Peut-être que la diapositive suivante, ça ne fait rien. Si on... Non, mais pourtant, on m'a demandé tout à l'heure des cartes. Alors là, il se trouve que la carte est tronquée. J'aimerais bien vous montrer la carte. Donc, un préhistorien français qui s'appelait Jean Chavaillon a entrepris de fouiller ce site préhistorique. Alors là, si vous voulez, le site préhistorique sur le plateau, il ne s'agit pas du tout des étendues que nous avons vues dans les vallées et dans le rift. C'est quelque chose de très limité. C'était audible. Pourquoi la diapositive n'est pas en entier? Je vous laisse. Tu vois, là, elle est en entier. Tout à l'heure, elle est en entier.
va laisser tomber leur socialité positive qui montre que ça n'a pas d'importance. Oui. Bon, elle est sur, si vous voyez, on voit l'escarpement du plateau et on voit effectivement un petit bout de la rivière Awash. Donc c'est un site qui est en altitude et voilà. Voilà, c'est ce site-là que sur le, qui est en altitude. Donc les préhistoriens se posaient la question comment se fait-il qu'en altitude où il y a le froid et où ces hommes ne possédaient pas, à l'époque on pensait qu'ils ne possédaient pas le feu, comment pouvaient-ils persister? Comment pouvaient-ils vivre? Et c'est comme ça qu'il m'a demandé, c'est là que je suis rentrée au CNRS la première fois, parce qu'il s'intéressait aux problèmes environnementaux et que j'ai dit, bah écoute, avec les moi j'ai peut-être un moyen avec les pollens de vous donner quelques éléments de réponse. Alors, ces sites donc sont beaucoup plus localisés. Si vous allez un jour à Addis Abeba, eh bien il faut aller visiter le site de Melkagontouré parce qu'il y a un musée en plein air qui est. Et donc il s'agit de petites falaises de quelques dizaines de mètres d'épaisseur qui se trouvent dans le paysage et qui correspondent à un bassin de petite taille. Mais ce qui est remarquable, c'est que ces falaises constituées essentiellement de dépôts volcaniques mais repris dans l'eau, donc difficiles à dater, sont intercalées par des niveaux de cailloutis que vous voyez ici sur la photo, et ces niveaux de cailloutis correspondent ont aussi une accumulation d'outils taillés qui correspondent à soit des sites d'habitat, soit des sites de travail de ces premiers hommes. Alors, pendant longtemps, il a été très difficile de dater ces sites. Alors, on savait respectivement que celui qui est ancien, qui est en dessous, est plus ancien que celui qui est au-dessus. On avait des idées approximatives par la technologie de quelle période il s'agissait, mais c'est récemment, donc les recherches entreprises par des vulcanologues et par des anthropologues de l'Université de Rome, en particulier ma collègue Margarita Mussi, qu'on a pu obtenir des datations très précises. Et il y a là, il y a là une longue succession dans le temps sur une faible épaisseur. Je vais juste vous montrer quelques exemples pour vous montrer l'évolution de la forme de ces outils taillés. Vous voyez le site ici qui est le plus ancien, qu'on appelle Garba 4, qui est 1,9 million. Et les outils sont... il n'y a pas de dimension, c'est dommage, mais enfin, ce sont des grands éclats qui ont été enlevés de gros blocs rocheux et des éclats assez rudimentaires. Bon, il faut, pour comprendre là, les outils, la recherche nécessite des fouilles très minutieuses, très longues. Et donc, mon collègue Jean Chavaillon voulait absolument savoir qui fabriquait ces outils. Et il a relativement peu publié ses travaux, mais enfin, à la fin des recherches, il avait quand même réussi à mettre en évidence une mâchoire d'un enfant qui est aujourd'hui attribuée à un de ses ancêtres dans la lignée du genre Homo. Donc, vous avez vu tout à l'heure les outils. Quand il y a un autre site qui s'appelle Simburo, qui est maintenant daté de 1,2 million d'années, vous voyez, on aboutit à des outils beaucoup plus perfectionnés qui sont faits dans une roche noire brillante. Cet outil suppose la conception il faut avoir la conception de la forme pour pouvoir le réaliser, donc un progrès dans l'évolution de l'humanité. Et des outils encore beaucoup plus, alors si on descend là, parce qu'ils sont les deux, des outils qui ont de grands éclats, mais avec des bords très tranchants. Et vous avez vu sur cette photo le préhistorien qui a effectué l'ensemble de ses travaux. Alors, tout à l'heure, on a sauté une diapositive, on va revenir en arrière. L'important dans au niveau de ces industries, par rapport aux restes fossiles, c'est très rare de trouver des restes osseux sur les sites sur lesquels il y a les outils taillés. Donc on ne sait pas qui fait quoi. Alors soit on ne trouve pas, soit on en trouve deux
Donc on ne sait pas lequel a fabriqué les outils. C'est aujourd'hui l'objet de débats dans la communauté des préhistoriens. Donc en ce qui concerne toute cette industrie, je voudrais aussi mentionner alors là, des gisements qui sont au sud de l'Éthiopie et qui sont la région de Konso-Gargula, où ont été trouvés beaucoup d'ossements. Et c'est là, par exemple, qu'il y a les crânes de deux sortes d'individus. On va mentionner aussi des études récentes, parce qu'on dit l'origine de l'espèce humaine, c'est Homo sapiens. Vous avez entendu parler à la radio, à la télévision, peut-être, de datation importante d'un Homo sapiens qui aurait été trouvé en Afrique du Nord. Eh bien, il y a aussi des travaux en Éthiopie, récents, de l'équipe de Berkeley, qui montrent, alors là, des étendues immenses, de nouveau, de gisements, vous voyez, de grandes dimensions, et dans lesquelles ont été trouvés associés des outils taillés petits, perfectionné parfois, et vous voyez un exemple des fouilles minutieuses qui sont entreprises pour les mettre en évidence. Et là encore, l'Éthiopie est assez remarquable parce qu'il y a toujours un niveau volcanique qui va permettre une datation. Donc on a ici, vous voyez en jaune, une petite falaise qui a permis de cendres volcaniques, et on a une datation de 158 000 ans. Alors, il y a donc le représentant de notre espèce qui sont été trouvés en Éthiopie. Homo sapiens, c'est quelqu'un qui nous ressemble vraiment. Et ils ont été trouvés à la fois dans la région de l'Homo, où on avait des choses anciennes, où on avait cette grande série. C'est ce qu'on appelle la formation de Kibish. Là, une anecdote, ces fossiles avaient été trouvés par Richard Leakey, qui vient de décéder récemment. Et ces fossiles... Il avait, à l'époque, dans les années 66, quand il les a trouvés en 60, ça n'intéressait pas beaucoup. C'était un jeune homme ambitieux et on cherchait les choses les plus anciennes. Et aujourd'hui, ces crânes se révèlent très intéressants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore dans cette formation de Kibish qui, elle, est de nouveau quelque chose, un gisement important dans lequel il y a une succession. Et quand on a une succession de couches, on peut savoir ce qui se passe avant l'arrivée de l'Homo sapiens et après l'arrivée de l'Homo sapiens, et comprendre peut-être un peu les mécanismes qui conduisent à l'émergence de notre espèce. Voilà, par exemple, un des exemples aussi trouvés dans la vallée moyenne de l'Awash. Donc, vous voyez, l'Homo sapiens, on le trouve des deux côtés, au sud et au nord-est de l'Éthiopie. Et cet Homo sapiens, très bien conservé, est daté de 160 000 ans. Alors, si vous voulez, quand on raconte, je sais, c'est une petite note personnelle, parce que souvent, on entend à la radio, « Ah, on a trouvé le plus ancien, voilà, au Maroc. » C'est peut-être possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les scientifiques ont parfois des certitudes sur des datations dans certains endroits, alors que dans d'autres endroits, la datation va être beaucoup plus problématique. Donc, si vous voulez, il est beaucoup plus important d'essayer de comprendre l'ensemble du contexte, d'avoir toutes les informations, plutôt que de toujours chercher ou de mettre en valeur ce qui est le plus ancien. Et l'exemple des sapiens en est le cas, parce qu'on s'en est servi pour dire « Ah, le berceau de l'humanité », ce terme qui n'est pas très beau, ou bien il est ici ou ailleurs. Mais je viens de vous montrer comment l'Éthiopie possède potentiel, du point de vue de ses gisements, pour avoir des réponses, et des réponses pas seulement sur les restes eux-mêmes, mais sur la compréhension de ce qu'ils signifient. Alors, ma petite note, on a bien compris que l'Éthiopie possède à la fois le matériel, les gisements, les archives. Et alors, pourquoi cette évolution, toute cette longue évolution a lieu en Éthiopie? Et je me suis dit, mais voilà un pays qu'on connaît relativement peu, mais qui est un pays où il y a une grande diversité d'altitude, puisqu'on a des fossés, on a des montagnes, on a des lacs, on a des rivières, et du point de vue de la végétation, une énorme diversité. Et la diversité des lieux
et quelquefois proches. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez les événements climatiques qui vous font changer les types de végétation, bien supposé que vous êtes en bordure d'une forêt, mais que ça devient beaucoup plus sec et que la montagne n'est pas loin, les montagnes peuvent jouer, peuvent être l'objet de refuges dans lesquels vont se passer les mécanismes de spéciation. De la même façon, les forêts riveraines. Donc il y a là un contexte aussi extrêmement particulier, parce que l'Éthiopie est aussi très sensible, on a montré, nous, au changement climatique, mais de grande échelle. Hein, voilà. Mais on n'a pas, à mon avis, on a pendant longtemps mis des liens directs qui ne sont pas aussi évidents que cela. Donc, mais tout cela justifie que, justement, on crée des laboratoires de recherche, des moyens de montrer aux jeunes tout ce matériel pour qu'ils puissent avoir effectué de nouvelles études. Donc voilà une idée de ces paysages, de ces multiplicités de traces, d'objets, laboratoires de conservation. Et un clin d'œil, puisque M. Copin vient de vous en parler, mais on a eu la même idée sans s'être concerté. Voici donc une photographie de Donald Johanson derrière la vitre de la salle d'agencement de la fameuse sonde spatiale appelée Lucy, qui va à l'encontre des astéroïdes, lesquels sont des fossiles de l'espace. Et j'avais dit, la petite Lucy, qui avait la taille de cet enfant, sortie de Terre et maintenant au firmament de l'espace. Merci. Bravo. Ben moi, je voulais vous remercier depuis presque une heure et demie. Et il y a professeur Copin qui nous entend aussi. On va profiter parce que c'est une chance qu'on va poser quelques questions. Encore, on profite. Mais pourquoi vous avez écrit un livre sur Lucy, en fait? Parce que vous avez écrit quand même un livre qui est sorti en 2018 et qui vous êtes quand même depuis... On parle pas beaucoup de femmes qui sont présents dans les fouilles des années 60. Et pourquoi vous étiez normalienne, engagée en tant que biologiste, vous êtes anthropologue, tout ça, pourquoi, pour ce domaine, vous avez choisi? Au départ, c'est M. Coupas qui m'a... j'ai pas choisi. Il y a des choses que j'ai pas choisies dans ma carrière. Je ne suis pas anthropologue, mais j'ai eu la grande chance de travailler avec des anthropologues et des archéologues, et j'ai beaucoup appris avec eux, puisque j'ai eu la chance d'avoir une formation mixte aussi, qui m'a permis d'être très adaptable. Voilà. Et j'ai développé ma spécialité dans un monde masculin, où si finalement j'avais travaillé sur les ossements, je pense qu'on ne m'aurait pas laissé aller à toutes les expéditions dans lesquelles je suis allée, parce que je ne vous ai pas parlé de tout, mais j'y suis allée beaucoup. Alors, pourquoi le livre? Bien, le livre, d'abord, j'étais à la retraite, parce qu'après après ces expéditions et tout ça, moi, j'ai fait autre chose. J'ai conduit des recherches et des groupes de travail sur les histoires des forêts, les histoires des climats. Je suis allée en Inde, j'ai monté au Burundi. J'ai travaillé dans un groupe européen qui a fait beaucoup faire de progrès sur l'histoire de l'étude de la dynamique du climat passé. Le groupe franco-allemand anglais qui est à l'origine du GIEC. J'ai eu la chance de travailler avec tous les gens que vous entendez parler souvent, qui donnent leur avis. Maintenant, ce sont des jeunes, évidemment, et maintenant, ce sont essentiellement des modélisateurs. C'est-à-dire que nous étions, pas beaucoup, j'étais sur l'Afrique. L'idée que je véhiculais chez eux, c'est souvent, attention, vous regardez le monde avec vos yeux d'Européens. Et le monde tropical est encore un monde qui est relativement peu connu. Et comme ils avaient beaucoup de mal à modéliser des fois les phénomènes de mousson, et en particulier le climat de l'Afrique de l'Est, qui est extrêmement compliqué, je leur disais, attendez, moi je connais le terrain, là, si à 18 000 ans vous faites sec à cet endroit-là, là c'est pas possible, pour moi c'est pas possible. Quoi. Bon, voilà. Et alors, à la retraite, eh bien, je me suis dit que les expéditions, mes collègues avaient écrit leur livre sur nos aventures qui nous ont tous impressionnés et qui ont été assez fantastiques pour tous les acteurs.
Plusieurs livres avaient été écrits, plusieurs de mes collègues commençaient à disparaître, et je m'étais dit qu'il fallait qu'il reste une mémoire. Et que cette mémoire, en plus, bon, c'était pas seulement la découverte de Lucie, c'était de montrer qu'on ne fait pas une découverte soudaine, aussi belle soit-elle, s'il n'y a pas eu des précédents, s'il n'y a pas eu un énorme travail collectif de ceux qui nous ont précédés, et qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre cela aux jeunes, mais en même temps leur donner aussi l'envie de rêver, voilà. Donc j'écris un peu ce livre avec les anecdotes, avec les rêves que j'ai eus moi-même en découvrant l'Afrique, les animaux, le peuple, une Afrique à l'époque où on ne connaissait rien quand j'ai commencé, parce qu'on n'avait pas tout ce qu'on a sur la télévision aujourd'hui, et donc cette espèce d'enthousiasme, je voulais qu'il en reste une trace. Merci. Deux questions, s'il vous plaît. La première. Il y a une aussi. Hein. Ah oui, très bien. La première. Oui. La première est la suivante. Que fait-on de la place de Sinanthrope, l'homme de Pékin, par rapport à la reconstitution de l'ensemble des paléontologues de l'homme, de l'Homo sapiens? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la place de Sinanthrope par rapport au mouvement général qui est devenu une université universelle, une vérité universelle, à savoir que l'origine de l'homme, de l'Homo sapiens, c'est le continent africain. Or, en Chine, on débat d'une autre problématique. L'origine des Chinois serait peut-être le Sinanthrope. Donc, mais, ça c'est ma première question. La deuxième... Attendez, alors ça c'est une question pour M. Coppens, peut-être. Ouais, hein. D'accord. La deuxième est la suivante. Et le néandertalien par rapport à cela, depuis quand est-il sorti du continent africain? A-t-il été premier sur le continent européen par rapport à l'Homo sapiens? Merci. Merci. On va laisser professeur Yves Coppens répondre. Si vous m'entendez, je peux répondre. Oui, oui, on vous entend. Merci. Alors, merci beaucoup de votre question, monsieur. Je vais faire un schéma très rapide, si vous m'entendez bien. Un schéma très rapide de ce qui s'est probablement passé. L'origine de l'homme pourrait vraiment être incontestablement tropicale et africaine. Tropicale et africaine. Et à partir du moment où l'homme est apparu en Afrique, avec étant donné toutes ces caractéristiques que je pourrais vous décrire, il s'est déployé, il a bougé. Donc à partir de ces tropiques, il s'est étendu à travers quoi? L'Afrique d'abord, forcément. Et puis de l'Afrique, il est passé par probablement le Proche-Orient, peut-être aussi par Gibraltar, peut-être aussi par le Bab el-Mandeb, c'est-à-dire le sud de la mer Rouge, en Eurasie. Et en Eurasie, il s'est d'abord déployé vers l'Est, curieusement. Préférer d'abord l'Asie à l'Europe, probablement pour des raisons paléogéographiques, hein, bien sûr, non pas par goût, en disant « je commence par aller par là pour voir ». Et du coup, il a dû passer le Sinaï autour de 2 500 000 ans, je dis bien 3 millions d'années l'homme en Afrique, 2 500 000 ans le Sinaï. Il est en Asie, il est en Chine, il y a plus de 2 millions d'années. Il y a un petit peu plus de 2 millions d'années. L'homme de Pékin, c'est 800 000 ans, hein. Ça fait partie de la grande séquence chinoise. Mais le premier chinois est beaucoup plus ancien. On n'en a pas les ossements, mais on en a les pierres taillées, on en a les cailloux taillés. Et puis, comme on vous l'a déjà dit, ensuite est né l'Homo sapiens, encore en Afrique. C'est quand même bizarre. À partir d'autres formes d'humanité, je ne vous fais pas le détail, mais à partir d'autres formes d'humanité, est né l'homme moderne encore en Afrique, il y a probablement autour de 500 000 ans, hein, autour de 1 million d'années. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déployé en Afrique. Comme a fait le premier, il s'est déployé à travers l'Afrique. Et comme a fait le premier, il a passé le Sinaï. Et on le trouve en Israël il y a 200 000 ans. Vous suivez bien. Hein. Et à partir du Sinaï, lui aussi, il est parti d'abord vers l'Est, il est d'abord parti vers l'Asie. Et on le trouve en Chine il y a 100 000 ans. Et puis ensuite vers l'ouest,
Et l'Homo sapiens, il a trouvé, évidemment, les gens qui s'étaient développés avant lui, hein, puisque, je vous l'ai dit, la première sortie est de 2,5 millions. Et l'Homo sapiens, il a trouvé en Europe l'homme de Néandertal, qui s'était développé depuis plus d'un million d'années. Et il est passé en Europe, cet Homo sapiens, il y a seulement 45 000 ans. Seulement 45 000 ans. Et à ce moment-là, il s'est mis à faire des tags partout, comme vous savez. Il s'est mis à faire des tags à Lascaux, des tags dans toutes nos grottes. Il a fait des quantités de dessins superbes, évidemment. Mais il y a des tags magnifiques. Et voilà en gros l'histoire. Donc, souvenez-vous bien du schéma. Le schéma, c'est une origine en Afrique. À partir de l'Afrique, un déploiement en Eurasie, avec d'abord une orientation vers l'extrême-orient, la Chine, et puis ensuite vers l'Europe. Et puis ensuite, Homo sapiens, à nouveau né en Afrique à partir d'une autre forme d'humanité. Et puis cet Homo sapiens passe à nouveau le Sinaï, et puis se déploie à nouveau à travers toute l'Eurasie, et puis arrive au bout en Chine d'abord, et puis ensuite en Europe. Et puis c'est cet homme-là, cet Homo sapiens, qui va passer le Bering, et puis qui va conquérir l'Amérique. D'ailleurs, c'est amusant, mais on est en train de faire un film en ce moment avec Jacques Malaterre, qui est en ce moment en Chine. Et ce qu'on raconte en chinois, aux Chinois, ce qui les ravit, c'est que ce sont les premiers mongoloïdes, les premiers extrêmes orientaux, qui ont passé le Bering, vers 30 000 ans peut-être. Et finalement, les Amérindiens, sont d'origine chinoise, quoi. Alors, c'est excessif ce que je dis, mais ils sont d'origine extrême orientale. Alors, les Chinois, évidemment, ils n'ont pas l'origine de l'homme, puisque l'origine est africaine, mais ils ont quand même une origine très très ancienne. L'homme de Pékin dont vous parlez s'inscrit là-dedans, et lui, à 800 000 ans. Mais il se trouve que c'est probablement cet extrême-orient qui a été visité très tôt, qui est à l'origine du peuplement de l'Amérique. Donc voilà, j'ai fait le tour du monde, je ne peux pas faire mieux. Et bientôt sur Mars, il y aura d'autres conférences vers la sortie de l'homme de la Terre. Merci. Une question qui va s'adresser aux deux. Nous avons la chance, nous qui sommes ici dans cette salle et qui vivons aussi ce siècle, d'entendre des témoins de l'humanité. Lucie et ceux qui nous rendent compte de Lucie aujourd'hui. Ça, c'est une chance. Ma question, c'est, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'humain. Il y a des vertes, des murs et pas des murs. Je passe les détails de ceux qui ont fait des classifications pour dire qu'il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des ceci. Sans oublier notre cher Bobino qui a dit qu'il y a des paresseux, et il y a des travailleurs, etc. Bref, ma question c'est, vous qui êtes témoin, acteur vivant aujourd'hui de ce travail sur l'humain pour nous rendre compte de Lucie, si la question vous était posée de savoir qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que vous direz? C'est une question qui est large et en même temps une invitation à vous dire de léguer à nous aujourd'hui de l'écrit, non seulement de vos témoignages en tant que chercheurs, chercheuses, mais de nous léguer votre vision de l'homme pour qu'on puisse aussi travailler avec ça pour les générations à venir. Merci. Oula. C'est une question immense. Qu'est-ce que l'homme? Alors voilà, qu'est-ce que l'homme? Bon, là, on vous parle des restes osseux et des restes des outils. Alors l'homme, c'est le cerveau, la pensée. Donc, je crois que tout à l'heure, on a entendu deux grands philosophes, Stéphane Hessel et puis notre... Alors, vous savez, moi, je ne sais pas... franchement, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que je crois que là, on sort du domaine... Nous, en tant que scientifiques, on essaie de comprendre un certain nombre de choses. Bon, si vous voulez, c'est du domaine, là, de la définition de l'homme, de l'humain...
c'est de la philosophie, c'est de la sociologie, c'est... que dirais-je ? Bon, et ce qu'on veut montrer, et ce qu'on est tous persuadés, c'est qu'on vient tous de la même origine. Donc on est tous africains, on est tous égaux. Voilà. Donc il n'y a pas... on est tous égaux, ça suppose... bon, ça suppose le respect, ça suppose... C'est une grande discussion, je vous conseille de l'avoir avec d'autres, peut-être d'autres humanistes. Vous voyez, il y a de très grands auteurs africains qui écrivent des choses très intéressantes actuellement là-dessus. Voilà, donc ils sont très... Moi j'aime beaucoup la littérature africaine. Je ne vais pas citer des noms du Sénégalais, de Congolais, de Camerounais, etc., qui réfléchissent aussi beaucoup là-dessus. Bon, nous partageons, je crois que c'est connu pour, dans l'anthropologie, que les premiers hommes, les premiers sapiens, ils avaient la peau noire. Hein, c'est bien connu que c'est une mutation de blanc. Donc voilà, nous sommes tous égaux à partager un univers et une planète qu'il nous faut protéger. Tu peux intervenir ? Professeur, c'est à vous. À moi ! À moi, c'est un cri au secours. Hein. Alors, je dirais une première chose, c'est que l'évolution se fait de manière aléatoire. C'est-à-dire que toute histoire qu'on appelle évolution, nous, on l'étudie a posteriori, donc on l'étudie une fois qu'elle est déjà réalisée. Donc ça ressemble à tout un cours d'eau tout à fait fluide, mais c'est plus compliqué que ça. Et il semble que ce soit aléatoire, c'est-à-dire que vous avez un être vivant qui est en équilibre dans son milieu, puis le milieu change. Raymond sait bien ça, c'est elle qui change les milieux. Donc le milieu change, et du coup l'être il est en déséquilibre dans le milieu suivant. Donc pour récupérer son équilibre, il va avoir des mutations au hasard, et puis il y en a une qui correspondra mieux au nouvel environnement, au nouveau milieu, et puis c'est celle-là qui va prévaloir, et puis c'est comme ça que se fait l'évolution. Alors en dehors de ça, je dirais une autre chose, c'est que le monde animal est aussi intelligent. Le monde animal est aussi intelligent et il est aussi brillant. Et quand vous comparez l'homme à un certain nombre d'animaux, vous vous rendez compte que l'homme entend moins bien que beaucoup d'animaux, les lézards par exemple. L'homme voit moins bien que beaucoup d'autres animaux, que beaucoup d'animaux, bien sûr. L'homme court bien moins bien que certains animaux. Et je vais courir avec un guépard, je vous donne en mille, qui arrivera le premier. Et donc, on n'est pas le premier partout, mais il se trouve qu'en effet, peut-être par hasard, on n'en sait rien, en tout cas, l'homme a incontestablement, avec son cerveau, l'organe nerveux le plus important qui soit. Et l'organe qui s'est développé de la manière la plus extraordinaire qui soit, puisqu'il a été multiplié de manière considérable entre Lucie qui avait autour de 400 centimètres cubes de capacité, et puis vous, la personne qui questionnait, que je ne vois pas, mais qui devait avoir au moins 1500 centimètres cubes, en disant, vous avez plus de 1000 centimètres cubes que dans votre cerveau. Je voudrais bien voir votre radio, tiens, ça doit être... C'est très beau, un crâne humain, très compliqué, très très compliqué. Donc on bat les records, en tout cas du point de vue, incontestablement, du point de vue du développement du système nerveux central, incontestablement du développement de l'encéphale, c'est-à-dire cerveau et cervelet, et donc incontestablement avec un record, avec le fonctionnement de ce cerveau. Et ça, c'est un constat, c'est une réalité. Alors, je vais vous raconter autre chose qui m'amuse, parce que Raymond a parlé de couleurs, et moi j'aime beaucoup ce problème. Là, c'est par excellence une affaire de darwinienne, une affaire d'évolution au hasard. Je trouve que
notre origine est tropicale. Donc, sous les tropiques, on avait forcément une peau colorée, autrement, on n'aurait pas résisté à certains anciens aliments. Donc, à l'origine, notre peau est disons, brune. Et à partir d'un certain moment, comme on s'est déployé, comme je viens de le dire, comme on a bougé de notre berceau tropical et africain vers d'autres régions moins ensoleillées, petit à petit, ceux qui ont eu le dessus, c'est ceux qui avaient le moins de couleur. Puisque autrement, la couleur, la mélanine, gênait la formation, la synthèse de la vitamine D, qui est la vitamine de croissance. Donc petit à petit, en montant vers le nord, les humains se sont décolorés. Ça a beaucoup amusé les gens, ça, quand j'ai dit ça un jour, c'est vrai. Les blancs ne sont pas des blancs, ce sont des décolorés par rapport aux gens d'origine, hein, que l'on dit colorés. On dit les uns colorés, puis les autres blancs. C'est pas vrai. Les uns sont colorés d'origine, et puis nous, on est des décolorés. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que, comme vous savez, c'est une hypothèse, hein, mais comme aujourd'hui, il y a un changement climatique, c'est-à-dire qu'on va peut-être des climats un peu plus tropicaux, peut-être que, petit, après s'être décoloré, on va se colorer à nouveau. Mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire à tout le monde. Ça va faire peur à tous les gens de la vie. On va se colorer bientôt pour arriver à survivre dans nos climats beaucoup plus chauds, avec un ensoleillement beaucoup plus fort. Avant que c'est drôle, mais pourquoi pas? Ce serait logique sur le plan scientifique, en tout cas. En tout cas, comme dirait, bien sûr, le grand résultat de notre recherche, c'est que nous sommes tous frères, enfin les 8 milliards d'individus qui existent aujourd'hui, les 100 milliards d'individus qui existent depuis 3 millions d'années sont frères, ont la même origine, et que ça devrait entraîner bien sûr beaucoup plus de fraternité, de solidarité et aussi de dignité. Et quand même, c'est une grande conclusion de notre discipline. Madame. J'ai une question. Le peuplement aborigène australien, quelle est l'origine? La même que Lucie? Non. Le peuplement australien est beaucoup plus récent. Je crois qu'il date, Yves va me préciser, mais il me semble que c'est 45 000 ans, quelque chose comme ça. Enfin, il paraît qu'il y en aurait eu, il y aurait eu une migration, donc c'est le résultat de la migration et des migrations tardives. Oui, des Australiens disent qu'il y a des outils taillés de 100 000 ans, mais je crois que les preuves du point de vue anatomique datent de 45 000 ans. Je ne sais pas si je me trompe, Yves, pour le peuplement de l'Australie. Oui, c'est ça, c'est autour de 50-60 000. Monsieur, allez-y. Moi, je voulais rajouter quelque chose sur ce que tu as dit tout à l'heure à propos en faisant mention de recherches qui sont très intéressantes menées par nos collègues de Toulouse et dont vous avez peut-être vu ce film magnifique à la télévision. Je vous ai montré cette distinction entre les deux branches, la branche qui aboutit au genre homo et la branche du paranthrope qui s'éteint. Et il se trouve que cet anthropologue qui s'appelle Braga à Toulouse a trouvé dans l'Afrique du Sud des mâchoires d'enfants et qu'on fait des études sur les mailles de ces mâchoires d'enfants qui permettent d'évaluer la durée du sevrage. Il a montré ainsi que chez les paranthropes, le sevrage était très précoce. Et que, au contraire, dans les spécimens appartenant au genre homo, le sevrage était beaucoup plus tardif et pouvait durer plusieurs années. Comme on sait que le développement du cerveau, et ce qu'on a entendu, ce qu'on sait aujourd'hui de la part des neurologues et tout ça, que ce développement s'effectue, une grande partie s'effectue après la naissance, on voit comment c'est important pour le système d'apprentissage et de d'hominisation, si vous voulez. Ça sont des travaux tout à fait récents. Je voudrais faire une... D'autres questions? Non pas une question, mais une remarque. On a beaucoup parlé de l'intelligence, 400 cm3 de capacité chez Lucie, 1500 chez nous. Est-ce que l'intelligence n'est pas une tragédie, en fait, vu ce qui est en train de se passer? L'espèce humaine
a une histoire qui est très courte. Et en un délai extrêmement court, elle court à sa perte. Là, je me demande si l'intelligence n'est pas une tragédie. Bon, Yves, tu as une réponse ? Je n'ai pas entendu la question. Je n'ai pas entendu la question. La question, c'était, est-ce que l'intelligence n'est pas une tragédie ? C'est ça ? Ah, non, pas du tout, pas du tout. vous pouvez le considérer comme tel, mais enfin... Non, pas du tout. Non, vous êtes de pessimiste. Non, au contraire. Ça a été quelque chose de superbe. L'humanité est merveilleuse, quand même. L'humanité est fantastique. Regardez l'humanité, ce qu'elle a fait depuis 3 millions d'années. Elle a fait des merveilles. Enfin, non seulement elle a construit Notre-Dame de Paris et les pyramides, et je ne sais quoi encore, mais en plus, elle est capable aujourd'hui d'aller se balader sur la Lune, ça pose plus de problèmes, sur Mars bientôt, et puis aller faire des portraits de nos astéroïdes. Puis elle a réussi en un an à fabriquer un vaccin qui devient presque un traitement contre un virus qui nous embête en ce moment, d'où votre petit masque sur le bout du nez. Non, ce salut l'humanité, et je crois beaucoup en l'humanité, je crois beaucoup en son avenir. Bien sûr que l'homme est un prédateur, ça, c'est vrai que c'est un prédateur. Donc il a horreur de son voisin, et tant qu'il n'aura pas tapé dessus et gagné un petit peu de terrain, il ne sera pas tranquille. Mais en dehors de cette prédation, salut à l'humanité. Non, l'intelligence, ce n'est pas du tout une tragédie. D'ailleurs, l'intelligence, encore une fois, elle est partagée par bien des animaux, et la tendance, c'est toujours au développement de cette intelligence. Les vertébrés supérieurs sont plus malins que les vertébrés inférieurs, etc. Absolument, moi je partage ton optimisme. Yves est un invétéré optimiste, et moi aussi, y compris sur les changements climatiques. Je crois qu'il ne faut absolument pas, surtout pour les jeunes, leur laisser planer la fin de l'histoire de l'humanité. Non, ce sont des difficultés que nos civilisations doivent rencontrer. Mais que diable, la civilisation des Romains, la civilisation de, je ne sais pas, toutes les civilisations ont eu de gros problèmes à rencontrer. Oui, ça va nous coûter de l'argent, si c'est peut-être ça. Et ben, on va peut-être utiliser cet argent à autre chose. Bon, mais dire et laisser dire « Oh, mais c'est la fin de l'humanité », c'est complètement stupide. C'est complètement stupide, mais c'est pas seulement stupide, c'est nocif pour la jeune génération. Parce que ça lui enlève l'espoir de trouver et les moyens, dans cet espoir, les moyens d'agir et la possibilité qu'elle peut avoir justement d'agir sur son avenir, comme c'est le cas pour toutes les jeunes générations. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Yves Coppas et Madame Bonnefoy. Je voulais vous poser simplement une petite question en ce qui concerne les découvertes qui ont été faites récemment sur le plan archéologique du côté de Sétif à 300 km d'Alger. Il semblerait qu'on ait découvert des fossiles datant de 2,6 millions d'années, ce qui suppose qu'il y aurait, semble-t-il, des théories qui peuvent, disons, plus ou moins corroborer ceci, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs berceaux de l'humanité suite à ces découvertes qui ont été validées et publiées dans un journal Science en 2018. Que pensez-vous de cette hypothèse ? Les tombes de 2 millions d'années, moi je ne connais pas, mais je ne sais pas Yves, qu'est-ce que tu en penses, vous confondez peut-être avec ces squelettes de l'Afrique du Sud qui ont été trouvés et qu'on avait dit qu'ils dataient de 2 millions d'années. Mais vous savez qu'en Afrique du Sud, quand on trouve des restes, ce sont des anciennes grottes karstiques, et il est extrêmement difficile de les dater, et maintenant il est admis qu'il s'agit de restes datant de 200 000 ans, je crois, qu'on appelle, et c'est du genre Homo, donc c'est pas du million d'années, hein, c'est pas du million d'années. Il s'agit pas de restes fossiles humains, il s'agit de fossiles en silex qui ressembleraient aux mêmes fossiles. Oui, juste un mot. Pour rassurer
le public s'il en a besoin. Les datations que l'on obtient sont cohérentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie quoi, dans nos datations. Tout est bien installé. On a beaucoup de méthodes de datation, beaucoup de méthodes de datation qui désormais se recoupent. Donc on cherche bien sûr sans cesse des confirmations parce que la datation dans notre métier elle est essentielle. Et ces datations sont toutes cohérentes. C'est-à-dire que les premiers hominidés il y a 10 millions d'années, les premiers hommes il y a 3 millions d'années, les premiers homo sapiens il y a 500 000 ans, tout ça marche très très bien. Oui, bonjour, la question est vers M. Coupens. Je suis un ancien élève du lycée Franco-Guebre-Mariam à Addis Abeba, et en 1974, pendant que vous faisiez la découverte de la statue des ossements de Lucie, moi j'étais à Addis Abeba, et 2-3 ans après, quand je suis parti d'Addis Abeba, nous n'avons jamais appris cette découverte en Éthiopie dans les programmes scolaires et dans les autres programmes scolaires sur le continent africain. Alors moi j'ai l'impression que la transmission de Lucie vers la jeune génération ne s'est pas faite. Et bon, elle se débat dans les conférences. Je remercie mon ami Choki Oli Ali Saïd d'organiser tout ça. Mais à un moment donné, je pense que cette histoire de l'Afrique, il faut que les jeunes Africains se la réapproprient un peu. Merci. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je peux vous dire que je ne sais plus si c'est après la découverte de Lucie ou après la découverte du genou, mais nous étions encore trois à Addis Abeba, il ne devait pas être là, mais nous avons fait une conférence à l'Alliance française, si je me souviens. Donc bon, c'était peut-être un public limité, qu'ensuite il n'y ait pas eu dans les universités d'Éthiopie. Ben, vous savez que la période des années 80, elle a été très difficile dans les universités d'Éthiopie. Et c'est vrai que si j'ai écrit le livre aussi, c'est pour que justement les Africains puissent le lire. Je me bats pour qu'il soit publié en anglais. Malheureusement, mon éditeur n'est pas très chaude pour le faire. Donc j'ai signé, je lui ai donné tous les droits et voilà. Mais j'aimerais bien qu'il soit traduit. Bon, il y a quand même d'autres livres qui sont traduits, qui ont été écrits en anglais. Il y a des choses. Alors après, dans l'enseignement, mais même en France, l'enseignement sur ce genre de choses, dans les universités scientifiques, ben vous savez, oui, c'est pas tellement diffusé. Hein. Bon, moi, il se trouve que je fais beaucoup à Marseille maintenant, dans des petits clubs de médecins retraités. Je suis étonnée de leur ignorance aussi, voilà. Parce que l'information est sur la télévision, et la télévision, à part quelques très bons films qui ont été faits, dont certains ont été faits par Yves et diffusés, et il a parlé qu'il était en train d'en préparer un autre. Bon, souvent, on a une chose événementielle, de quelque chose qui a été trouvé plus ancien, mais on ne raconte pas toute l'histoire, c'est vrai. Mais ça, c'est pour... voilà. Oui. C'est une occasion de plus de saluer l'initiative du grand musée d'origine de l'humanité d'Addis Abeba. Voilà. Ce grand musée d'Addis Abeba sera le symbole africain par excellence de l'origine africaine de l'humanité. Il n'y a pas meilleur exemple, la meilleure initiative. Et je reprends donc un petit peu la question qui m'avait été posée tout à fait au début de mes quelques mots. Comme l'a dit Raymond, les découvertes faites en Éthiopie sont considérables. D'abord, elles sont très anciennes, puisque les premières remontent au début du XXe siècle. Et ensuite, elles sont considérables. On a trouvé des gisements de tous les niveaux, absolument tous les niveaux, les plus anciens aux moins anciens, pas les plus récents, mais aux moins anciens. Et tous ces niveaux-là ont été particulièrement fertiles, particulièrement fécond. Et il y a déjà, comme Raymond l'avait évoqué, il y a déjà classé à l'UNESCO le site de la Phare, bien sûr, le site de Adam, et puis le site de l'Homo. Donc il y a des grands sites, malgré qu'on trouve, je ne crois pas qu'ils soient encore à l'UNESCO. Et tout ça fait que l'Éthiopie partage bien sûr ses résultats avec le Tchad, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi, l'Afrique du Sud.
Mais l'Éthiopie se trouve être le phare de cette histoire-là, parce que c'est là qu'on a fait vraiment les découvertes les plus... pas les plus anciennes, quoique, Ardipithecus c'est quand même très vieux, parmi les plus anciennes en tout cas, et puis en tout cas les plus fertiles, les plus fécondes, et le musée en question qui sera alimenté par les musées précédents, le National Museum en ce moment, a de quoi montrer, de quoi offrir à tous les visiteurs du monde entier. Le grand musée peut se targuer de l'origine tropicale de l'humanité. Et comme l'Organisation de l'Unité Africaine, qui s'appelle l'Organisation Africaine désormais, est à Addis Abeba, c'est parfait, tout ça est très cohérent. Oui, bonjour. Bon, j'ai une question qui touche à l'émergence de la pensée. Est-ce que, compte tenu de l'emplacement des ossements qui ont été découverts, vous disiez, Madame Bonnefille, que le squelette de Lucie, le reste, était en particulier sur la même colline. Donc, compte tenu de l'emplacement de ces ossements qu'on a retrouvés, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y avait une intention de sépulture, c'est-à-dire que quelque chose d'un peu organisé, où on n'aurait pas laissé les cadavres, leur ils sont morts, mais tout au moins, c'est pour ça que je pense qu'est-ce que, peut-être pas un rite funéraire, mais tout au moins quelque chose qui ressemblerait à une organisation pensée du traitement de la mort, en fait. Parce que, voilà. On va continuer, on prendra quelques questions et je reviens vers vous. Oui, je voudrais en fait vous remercier, vous associer également à quelque chose qui me tient à cœur. En fait, là, au moment où nous avons lancé avec Stéphane Hessel, Patrick Vivret, Chouki et quelques autres, ici à Lyon, les Dialogues en Humanité, nous nous sommes réunis au couvent de la Tourette, donc qui a été construit par Le Corbusier, près de Lyon, pendant 3 jours. Et la veille des 3 jours, nous nous sommes projetés l'Odyssée de l'espèce. Ah, le film. Le film, exactement. Et je trouve que non seulement il fait œuvre pédagogique et il continuera de le faire, mais il nous a vraiment profondément inspirés, puisque ces dialogues en humanité qui maintenant ont essaimé sous l'arbre à palabres à l'africaine dans de nombreux pays, de nombreux lieux, mais aussi de nombreux quartiers de notre métropole, eh bien s'inspirent justement de cette longue durée. C'est-à-dire que le fait aujourd'hui de rester uniquement cantonné sur un moment, certes, il faut vivre le moment présent, mais il faut être aussi capable de se projeter dans le temps long, et de garder cet espoir dans l'humanité, dans sa capacité, comme dit Edgar Morin, le pire n'est pas certain, et donc de se projeter dans le temps long pour pouvoir justement se dire quelles sont les bonnes solutions, les bonnes initiatives qui peuvent faire évoluer les choses et faire en sorte que le meilleur de l'humain puisse se concevoir pour l'avenir. Donc je pense que vraiment c'était un cri du cœur pour vous remercier avec Chouki d'être aussi parmi les porteurs de cet espoir, en tout cas, voilà. Merci à vous. Tout à fait. Merci. On n'a pas répondu. À vous ? Allez, oui. Oui, on n'a pas répondu à la dame. Je crois qu'elle posait la question de savoir la fossilisation des ossements. Bien, vous savez, ils se trouvent au même endroit parce que, supposer une plage d'un lac, et à un moment donné, il y a une inondation. Il faut que les ossements soient recouverts relativement vite parce que vous savez que ils s'altèrent très très facilement, surtout sur les pays chauds. Et ensuite, ils se trouvent transformés par des petits mécanismes chimiques de minéralisation. Et une fois qu'ils sont minéralisés, ils sont conservés dans les sédiments. Et lorsque les sédiments viennent à la surface, on trouve ces ossements. J'ai pas compris alors votre question, c'est possible. Mais avec le masque, excusez-moi, j'entends rien d'ici. En tout cas, une félicitation.
la question que vous aviez posée, mais bon, peut-être on va plutôt terminer sur le fait que l'anthropologie ouvre, c'est vrai, par sa connaissance du passé, aussi une certaine philosophie sur le futur, et que remercier Yves de toute l'œuvre qu'il a accomplie dans ce sens. Et en particulier, vous faisiez allusion au film L'Odyssée de l'espèce, et donc c'est une félicitation à l'initiative de ce film. Bonsoir madame, vous nous avez expliqué tout à l'heure que sur les sites que vous avez étudiés en Éthiopie, il y avait des éruptions volcaniques, différentes couches, et que c'était une opportunité pour dater plus facilement. En quoi les éruptions volcaniques sont plus facilement datables que des restes Oui, que des restes. Alors, c'est parce que les dépôts volcaniques contiennent des minéraux, et en particulier des minéraux qui contiennent du potassium, et que la méthode qui a été mise au point dans les années 60-70 à Berkeley, c'était au départ, repose sur les isotopes de ce potassium. Elle a été ensuite développée, perfectionnée, mais bon. Donc c'est une question de mesure physique qui est beaucoup plus facile à faire. Il y a d'autres méthodes qui ont été développées, mais... pour le moment, c'est la plus, la plus sûre, la moins contestable, parce qu'il y a toujours des marges d'erreur. Hein. C'est tout un travail de laboratoire hein, pour obtenir ces datations. Souvent, on vous dit à la télévision, boum, une datation, derrière, d'abord, il y a des laboratoires perfectionnés pour faire les mesures des gaz argon-argon, argon-39, argon-40, vous voyez ça. Bon, c'est une méthode de physique qui vient de la suite, ces méthodes sur les isotopes, du développement de la science de la radioactivité. Alors, excusez-moi de reprendre la parole. Madame Pau. Voilà, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ma question, ce n'était pas vraiment sur la sédimentation des ossements, c'était simplement, est-ce que... Elle est un petit peu plus philosophique, on va dire, mais est-ce qu'à partir de l'observation de l'agencement des ossements, en particulier, vous m'avez dit que le squelette de Lucie était justement à peu près au même endroit, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une intention de sépulture? Est-ce qu'il y aurait une organisation d'un culte quelconque au moment de la mort? On n'a pas... laisser Lucie toute seule sur sa colline, mais bon, j'imagine que c'était le traitement peut-être qu'on pouvait réserver. Est-ce qu'on peut penser à une espèce d'organisation de sépulture? Voilà, c'était ça ma question. Il y a une les archéologues connaissent très bien les sépultures. Les sépultures, les corps sont orientés. C'est un travail de préhistorien, mais ça intervient beaucoup plus tard dans le domaine de... c'est de l'ordre. Alors, les plus anciennes sépultures, il va me dire, mais je me souviens plus. 130 000. Vous voyez, donc, il faut voir, ça n'a rien à voir avec Lucie ou avec les hommes plus. Alors, par contre, on allait dire, si c'est une sépulture, elle serait plus que 130 000, celle d'Afrique du Sud, là, tu sais, celle qui a été trouvée dans. Oui, mais il y a aussi les fosses funéraires. Fosses, il faut donner ceux. Hein. Il y a aussi les espèces de trous funéraires, comme en Espagne, qui eux ont 300 millions, c'est-à-dire que les cadavres sont jetés les uns par-dessus les autres dans le même ensemble, dans la même fosse, mais on jette en même temps des objets de très belle qualité avec eux pour les honorer en quelque sorte. Donc, d'abord des fosses sépultures, et puis ensuite de véritables sépultures. Je vais remercier, parce que tout d'abord, un grand merci à Raymond qui est venu faire un moment partagé. On aura un moment avec vous pour dédicacer son livre, elle va dédicacer ses livres. Je voulais profiter, parce que c'est un clin d'œil, professeur Yves Coppens, vous nous entendez?
Absolument. Voilà. On voulait vous remercier tout le travail que vous avez fait depuis très longtemps pour faire montrer le sens de l'humain, parce que la situation de, comme vous avez dit, il faut qu'on soit toujours optimiste. On est tous des êtres humains et le plus important, c'est connaître l'autre et accepter comme il est. C'est le plus important et que la richesse que vous avez partagée...